Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Je vous l'avais promis depuis plus d'un an déjà, mais j'avais envie de faire des collaborations avec d'autres juristes. Ce jour arrive enfin avec monsieur Raphaël Lapin, président de l'association ADECOM 73-74, qui, dans le cadre de l'organisation du premier sommet des Outre-mer le 7 octobre, va nous parler des collectivités de l'article 73 de la Constitution. On se retrouve en fin de vidéo pour décrire plus en détail ce super événement. Ce qui nous amène à évoquer les institutions singulières de chacun de ces départements d'outre-mer. Singulières, elles le sont, parce que chacune d'elles diffère d'une manière ou d'une autre. Ainsi, on aurait pu imaginer que la Guadeloupe et la Réunion, qui sont toutes deux des régions monodépartementales, comme l'étaient d'ailleurs la Martinique et la Guyane avant 2016, sont identiques. Mais l'amendement Virapoulet déjà évoqué vient priver les exécutifs locaux réunionnais de certains pouvoirs qui transforment la pratique que l'on peut avoir de ces institutions et fait ainsi différer les deux dernières régions monodépartementales de France. Depuis le 1er janvier 2016, deux nouvelles collectivités ont vu le jour, en substitution des conseils généraux et régionaux existants jusqu'alors. La collectivité territoriale de Martinique et la collectivité territoriale de Guyane. Elles cumulent les compétences exercées auparavant par les conseils généraux et régionaux de chacun de ces territoires. Cette évolution s'est faite conformément à la possibilité ouverte au dernier alinéa de l'article 73 et permise par la révision constitutionnelle de 2001 qui modifiait l'article 72 auquel l'article 73 renvoie. Là encore, on aurait pu penser qu'il y avait une identité institutionnelle entre ces deux nouvelles collectivités uniques. Cependant, chacune d'entre elles a choisi une organisation différente. La collectivité territoriale de la Guyane correspond à une assemblée délibérante élue à la proportionnelle avec à sa tête un président. Alors que la collectivité territoriale de Martinique comporte, d'une part, un comité exécutif, une sorte de petit gouvernement local avec ses prérogatives propres, présidé depuis 2016 par l'indépendantiste Alfred Marie-Jeanne. Et d'autre part, une assemblée délibérante qui dispose elle aussi de son président, en la personne de Claude Lise. Reste à parler du conseil départemental de Mayotte, qui s'écrit avec un C majuscule. C'est également une collectivité unique, sur le territoire de laquelle le droit français ne s'applique pas encore pleinement, puisque Mayotte a été récemment départementalisée. Cette collectivité a également des compétences qui lui sont propres, et qui, bien qu'elle s'en rapproche, ne ressemble à aucune autre collectivité d'outre-mer, et font de Mayotte une perle institutionnelle dans la République. Merci encore une fois à Jurismana. Je fais des bisous à tous les copains qui sont attentifs à ces vidéos. Et comme on dit chez moi, à don d'autres soleils. Et voilà, nous en avons terminé avec cette vidéo de collaboration à ADECOM. Comme promis, voici un peu plus d'informations sur le premier sommet des Outre-mer. Cet événement gratuit aura lieu le samedi 7 octobre 2017 de 13h à 18h au Palais du Luxembourg. Il comprendra une partie conférence-débat ainsi que la première édition du concours d'éloquence Prix Gaston Monnerville. Cet événement est soutenu par différents partenaires et vous retrouverez toutes les informations pour participer à ce sommet dans la description de cette vidéo. On vous attend très très nombreux à cet événement et en tout cas merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parhe ane.